Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve, attention, 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 pour My Secret Love, l'épisode 10. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. On repart dans les vidéos réactions, mais attention, doucement, doucement, parce qu'on capte très mal ici en vacances. Donc du coup, je peux pas faire autant de vidéos déjà de 1, voilà, que ce qui est prévu. On y va, on perd pas de temps, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, bien sûr, de t'abonner à la chaîne. Et moi, je suis très content de vous retrouver à travers les vidéos réactions. Et oui, let's go! On a besoin d'un petit récap, hein. Ça s'était mal passé, vous savez. Et puis, finalement, ils se parlent plus trop du tout. Et surtout que mec a peut-être une proposition de partir. Et il fait un film. Et qui vient pour donner un petit coup de main pour le film? Qui? Attention, c'est Kim. Allez, c'est parti. Let's go. On va voir comment ça va se passer. Yali et Park, ils sont mal à l'aise. C'est trop mignon, j'adore. Mais c'est bien parce que c'est les potes hein, qui ont tout organisé. Et oui. Les beaux qui... Oui. Non, il va pas partir. Oh. C'est trop bien. Mais c'est pas évident pour mec. C'est pas évident pour lui parce que comme il s'en va peut-être pour faire ses études très loin, du coup il sait pas si ça vaut le coup ou pas de s'engager dans une relation. Donc c'est pas facile. Exactement. Exactement. Il faut se réconcilier avec Kim. Petite musique. Alors, j'adore cette musique, vous savez. Hein. Oh. Allez, c'est parti. Épisode 10. Un choix à faire. Ah. Mais c'est bien que Kim, déjà, ait accepté. Ça, c'est super. Maintenant, il faut que ça se passe bien. C'est bizarre d'ailleurs les sons comme ça. Ah. Allez. Pour les laisser seuls. C'est ça. C'est pour les laisser seuls. Vous savez que les vidéos réactions, j'ai commencé ici, à Cucuron, en vacances. Eh oui. Eh oui. C'est ici que j'ai commencé les vidéos réactions. Ah. Mais oui, c'est pas pratique avec les ongles. On est d'accord. Mais il lui en veut, hein. Il a pas répondu à sa déclaration de sentiment. Tout allait bien en plus. Tout se passait bien. Ah. C'est trop mignon. Ils étaient très proches en plus et en fait ils se sont un petit peu éloignés là donc bon faut que ça revienne.
faut que ça... Et surtout, il faut qu'ils arrivent à se parler. Parce qu'en fait, comme Kim n'est pas au courant qu'il doit partir à l'étranger pour étudier, du coup, il sait pas. C'est encore compliqué, mais c'est bien parce que ça va mettre du temps et c'est beau après quand ça va s'arranger. Enfin, on croise les doigts. Parce que moi j'ai pas vu, et non. Peut-être que vous, oui, mais moi je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oh. C'est bizarre les ongles pour un zombie. En tout cas, c'est gentil de la part de mec. Mais alors, le titre, un choix à faire, c'est peut-être ça, hein, le choix. Soit Kim, soit les études, je sais pas. Ah. Oh là là. C'est ce qu'il vit, hein. Oh. Ils ont du matos, hein. Ils ont du gros matos, hein. Comparé à moi. Et ma petite caméra. C'est sûr que c'est pas pareil, hein. Action. Les films de zombies. Et ce que j'espère aussi, c'est le concours de photos, que ça va bien se passer. Voilà. Je crois que ça va pas être évident, hein, de jouer à un zombie. Hein. En tout cas, moi, j'aimerais pas jouer à un zombie. Hein. Oh là là. Ah, peut-être qu'il est infecté. Son histoire avec Kim. Non, mais c'était sûr, c'était obligé. C'était obligé. Pendant combien de temps, donc peut-être que c'est pas long, que du coup il peut y aller, ils sont toujours en couple. Oh, ça y est. Mais enfin, il lui dit dans son imagination, parce que c'est pas pour de vrai, hein. Il imagine. Oh, il était dedans. Oh, il est ému. Il est pas bien, évident, hein. Il est pas bien. Parce qu'il pensait à Kim.
Ils sont trop mignons, ces pas, j'aime bien. À réaliser quelque chose. Ouais. Ça fait écho à sa vie en fait, c'est ça? Mais oui. Allez. Il y a toujours ce malaise, hein, quand même. Je sais pas si vous avez vu la traduction du truc de string. On va voir comment ça va se passer la soirée. Mais je croise les doigts pour que ça se passe bien. Il faut. Ah, pour les laisser tous les deux. Les potes, ils sont cool. Ils sont trop bien. Parce qu'ils vont tout faire pour que ça s'arrange. Regarde. Oh non. Chanter le karaoké. Ils adorent le karaoké, hein, là-bas. Mais qui n'aime pas le karaoké en même temps, hein? Il les voyait venir tous les deux. Ah, ils sont gênés, hein? Oh là là! Ils sont trop bien! Non, mais il faut que ça s'arrange. Il faut absolument que ça s'arrange entre eux. Hein. Ouais, exactement, il a raison. Il faut parler. Un mail qui regarde. Oh. Allez, on continue. Non, non, c'est clair qu'il faut qu'il parle. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, de toute façon, ça c'est clair. Et il faut qu'il lui dise clairement les choses. Je peux l'obtenir. Ça s'annonce un peu compliqué, hein? Mais bon. En fait, je pense que Kim a besoin d'une explication que pourquoi il a pas répondu, mec. Il est en pleine forme, hein? Non mais en plus de ça, dans leur bande, ils sortent tous ensemble en fait. Donc il faut que ça se passe bien, moi je pense. Il faut qu'ils se réconcilient. Bah oui. Et si l'alcool peut aider un petit peu? Eh bah pourquoi pas? Bah oui. Papa. Mon Dieu, ça y va, hein, par contre. Hein. Mon Dieu. Oh là là. En fait, c'est pas en demi-mesure, vous voyez, c'est à fond. C'est ça. Quand ils boivent là-bas, c'est à fond, fond, fond. Hein. C'est pas juste un petit verre. Non, 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 non. Voilà.
Là, c'est important. Mais attends, voilà qui me l'est. Pourquoi tu n'as rien dit? Ah. Wow, mais il est bourré. Vous êtes tous les deux bourrés. Qui a tort? Qui me t'a rien? Je vais tellement. Et qui m'a mis l'eau le roi? Oh. Mais. Là, il rêve, bien sûr. Ah oui, c'est le rêve. C'est le rêve, c'est le rêve, c'est le rêve. Je pense pas que ce soit pour de vrai, hein. Et oui. Mais c'est bien qu'il rêve de Kim. C'est très bien. J'ai l'impression que la chambre est rangée. C'est bien. Oh. Il était bien dans son rêve. Je pense que c'est ça en fait. Il était très bien dans son rêve. Il a pas trop envie hein, de travailler à l'hôtel. Oups, mince. Mais Kim, pourquoi tu portes aussi autant de choses? Hein? Maintenant, ils sont devenus amis et ça, ça fait plaisir. Ils sont bien parlé la dernière fois, hein. C'était beau. Ouais, ou à qui? Exactement, il faut parler. Il faut discuter. Regardez qui c'est qui arrive. C'est mail. Non, mais n'est-ce pas, Léa? Comment est-ce? Piti, je pense pas que ce soit quelqu'un de bien pour lui. Il se sert juste de lui, je pense. Où il dit, ouais, bon, ça doit être une conquête de plus. Mais Mei, c'est avec Tim qu'il faut qu'il soit. Et ouais, et de voir ça, ça aide pas. Pas du tout. Oh, là là. C'est dommage. En fait, il savait que maintenant, en fait, il y a que de l'amitié. Et que du coup, juste il parle en fait, en tant qu'ami. Mais non, mais il ne le sait pas. Ils sont bourrés. Ils sont bourrés. Ils sont fatigués, mais en même temps ils ont bu toute la soirée. J'ai décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Je n'ai pas étudié. Ah. Mais tu veux faire, mais c'est pas moi. Wow. Je suis pas important. Maintenant, j'ai quelque chose de plus. C'est moi, je trouve ça beau, mais en même temps, il faut pas non plus gâcher ses études. Et je suis d'accord. Oh.
Et je trouve ça bon, moi, hein. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, on est partagé, moi, je trouve. Parce qu'en même temps, on comprend que c'est important, les études, et que si on a une opportunité, il faut foncer. Mais en même temps, si on a, je sais pas, l'amour, tout ça, c'est dur, hein. C'est pas facile. C'est avec qui il est rentré? Bah oui, ils habitent juste à côté, donc forcément. En tout cas, Kim, quand même, il arrive à se remettre quand même de cette soirée, hein. Correctement. Il est jaloux. Ça c'est bien. Mais oui, montre. Je crois que c'est celle qu'il avait prise et on voit avec l'appareil photo. Oh, c'est ça. Il est fort, hein? Il est très bon. Exactement. Ou une page Instagram. Ça marche mieux que Facebook, moi je trouve maintenant. Hein. Bonne nuit. Les deux là, mon dieu. Faut que ça s'arrange, hein. Oh là là. C'est pas encore le cas, hein. Ça s'arrange pas, hein. C'est dommage. Parce que moi j'en suis sûre, c'est qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais qu'ils... En fait, Tim avait peur de gâcher ce qu'il ressentait. Et donc du coup, voilà. Moi je pense que c'est ça. Hein. Ouais, on va directement passer. Ouais, moi je pense que c'est ça. Et qu'ils ont peur de gâcher... Tim en tout cas avait peur de gâcher leur amitié. Mais là maintenant, c'est bon. Faut foncer. Alors, c'est la soirée avec Pity. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la soirée avec Pity. C'est ça. Mei est allé. Alors, on va voir comment ça va se passer. C'est parce qu'il a vu Tim avec, avec Kim. C'est pour ça que ça a changé. เลยไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยกินแค่นั้นจะไปสนุกอะไรกินอีกดิ
mignon, Mei. Hein. Ouais, moi je trouve qu'il est mignon. Après, moi je pense que Petit, il a pas vraiment des vrais sentiments. Je pense. Hein. C'est juste pour s'amuser. Je sais pas. C'est peut-être pas une très très bonne soirée. Je pense que ça va pas être une très bonne soirée. Je sais pas encore, on va voir, mais je pense que ça va pas être une très 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 bonne soirée. Il s'amuse, vous voyez. Et surtout, au final, je pense que Tim, il a dit à Kim de parler avec Mec, mais lui, il faut aussi qu'il parle avec Mei. Et je pense qu'il faut qu'il parle. Mais il a pas fait. Ah, Mec attend Kim. Alors... Kim. พี่ขอโทษนะพี่ดีๆขอโทษเรื่องทุกเรื่องพี่มันแย่เองอ่ะที่ปล่อยคิมอยู่แบบไม่มีคำตอบจากพี่ไปเรื่อยถ้าเชิญเด้อพี่ขอโทษนะพี่มันนิสัยไม่ดีเองอ่ะพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพี่จะไม่เป็นคนแบบนี้อีกแล้ววันนั้นพี่ไม่มั่นใจอ่ะ พี่เลยไม่ให้คำตอบคิมแต่ตอนเนี้ยพี่แน่ใจแล้วนะเพราะพี่ขาดคิมไม่ได้ชอบคิมนะชอบจนจะเป็นบ้าอีกแล้วว้าวนี่เป็นตัวแทนความจริงใจจากพี่ Une autre plante, hein. Ça fait deux plantes qui doit s'occuper. Ça t'a pas mis, hein. Qui m'a fait la Mimi, le crap. Tu es sans y aller. Lui, qui est trop fort, non. Pas ça, non, mais. On m'a allé dehors. Qui m'a fait la nia. Non, 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 Je sais maintenant. Non, c'est trop bien, j'adore. On va te laisser pas, hein. De rien, pis, hein. Pis, il y a moins de problèmes, c'est que le loin, là. C'est trop bien. Mais c'est pas un vrai bisou, hein. Il pose juste ses lèvres sur la joue. C'est pas un mou, comme ça. มีอะไรไปทําอะไรที่เราอยากจะทํากันมั้ยอะไรอ่ะก็อะไรที่มันธรรมดาธรรมดาอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลงกินข้าวหรือว่าอะไรเอ้าธรรมดามันธรรมดาที่ไหนแล้วเนี่ย Je suis content. Je suis content. Donc ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. On reparle encore de Tim. Il se soucie. À sa face. Ben oui, il parle de Tim. Je t'aime, mais je suis en train de me faire.
va arriver. Il va arriver, j'en étais sûre. Il arrive. Le beau tigre. Oh, il est tigre. Et mon petit ami, ça y est. Il a dit... Waouh. Allez, viens. Je te ramène. Non mais, en fait, Kitty, c'est juste de l'amusement qu'il faisait. Après, ils sont jeunes, donc on va dire qu'on peut encore s'amuser, voilà. Il n'y a pas d'âge pour ne pas s'amuser. Mais voilà. Je pense que tous les deux, ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Mais c'est sûr. Mais après, c'est de se dire les choses. Et de ne pas avoir peur. Parce que la peur, des fois, ça empêche de dire les choses. Mais là, c'est bien. Désolé, hein. C'est les cloches du village. On l'attendait, hein. Moi, je pense que c'était après voir depuis très longtemps, tous les deux. Mais ça y est, ça a mis du temps, hein. Épisode 10. Oh. C'est pas trop tard, non. T'en fais pas. Il attendait ça. Oh. Vous voyez, c'est des vrais bisous, hein. C'est des vrais bisous. Oh, et tous les deux. Et tout le monde est en couple, c'est trop beau. Ça y est, regardez, ils sont contents. J'adore le pull de bière. J'adore son pull. Oh. C'est trop beau. Le retour de Beck et Kim. Oh. C'est beau. Allez, on continue. C'est trop bien. Dernière partie. Oh là là, il m'a lu là. Cinéma. Non mais c'est une blague. Il fait des films pour des zombies, avec des zombies quand même. Et il a peur. Oh. Vous voyez, ils font pas des vrais bisous. Ils se... En fait, ils collent comme ça, c'est bizarre. Oh, j'adore. Ça y est, ils se retrouvent, je suis contente. C'est trop beau. Après, j'espère juste, c'est que Mec ne va pas regretter de ne pas avoir décidé de partir pour ses études. C'est ça. Et ça, j'espère. Après, je pense que où il est, ben, il doit y avoir une section quand même pour l'audiovisuel, tout ça. Donc voilà. Après, peut-être qu'il voulait absolument faire cette école-là. Mais ils sont trop adorables. Franchement, ils se sont retrouvés là et ça fait plaisir. Moi, pour moi, un des meilleurs épisodes, c'était celui avec où ils sont allés dans,
dans Campé, vous savez, où ils se sont dit tout. C'était trop beau. Ils étaient à l'hôtel que tenaient les parents de Meg, c'est ça. Exactement. Et ce moment-là, j'ai adoré. Oh, justement, ma petite sœur a la même. Et c'est tellement sympa, ça. En fait, ça sort et t'as directement la photo. Elle a exactement le même. Mais elle en a deux, je crois, elle. Oui. Oh. Mais moi, je trouve que, par contre, la qualité de la photo, elle est pas... C'est bien, hein, mais on n'est pas super beau dessus, je sais pas. Oh, ils rentrent de leur journée. Oh, franchement, je pense que ça leur a fait du bien de passer une journée comme ça que tous les deux. Après tout ce qui s'est passé en plus. Donc maintenant, il faut plus se quitter, les gars. Il faut s'aimer tout le temps. Enfin, le temps que ça durera. Mais j'espère le plus longtemps possible. Kim, วันนี้ Kim ทำให้พี่รู้สึกอยากทำแบบนี้กับ Kim อีกนานๆเลยนะ Kim เอก Kim มีอะไรจะบอก quelque chose à te dire พี่ก็มีอะไรจะบอกเหมือนกัน งั้นเราพูดพร้อมกันนะ j'aime pas trop ça 1 2 Sam, je ne t'aime plus, mec. Non. C'est une blague? J'ai pas compris, là. Mais c'est quoi ça? ก่อนหน้าเนี้ยคิมก็แค่อยากลองดูอ่ะแล้วมันก็ทำให้คิมมั่นใจแล้วว่าคิมไม่ได้ชอบพี่เมย์ขนาดนั้นคิมคิดว่ามันคงเป็นความรู้สึกที่เกินเลยกันไปเองไม่น่าเชื่อ เมื่อกี้เรายังดีๆกันอยู่เลยอ่ะคิมบอกไปหมดแล้วคิมไม่ได้ต้องการพี่ขนาดนั้น Mais c'est une blague. Tout se passe... Non mais c'est tout le temps comme ça. Ça se passe bien, on s'aime, on a des sentiments l'un pour l'autre. Et puis boum. Kim. Non mais c'est abusé. Kim t'as quand même pire. C'est super dur, hein. Mais pourquoi il fait ça? Alors, j'ai ma petite hypothèse. Et ma théorie sur ça. Je pense que c'est par rapport à ses études qui dit ça. Je pense. On va voir. S'il y a le flashback comme ça à la fin, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'on va avoir des précisions. Mais oui, il a raccompagné chez lui dans sa chambre. Il a dû voir les papiers de son école. Kim, Loba. Non? Oh, puis, talking man. Man, puis quoi, là? Oh, là, mais mi Kim, là, puis, il y a eu rien. C'est beau. C'est magnifique. C'est ça. En Australie, je crois. C'était en Australie, non? Je sais plus.
ิงคิดว่ามันง่ายนะคะที่พี่ยังเลือกระหว่างความรักกับความฝันน่ะพี่ไม่อยากตัดใจอ่ะเอ็ดูคุณซีคัมแซคคิมาซูพี่จะทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้พี่มันป่วยเองอ่ะ t'es pas nul mec เรื่องแค่นี้จัดการไม่ได้เลยอย่างที่คิมเคยด่าไว้ไงพี่ไม่จะไปเรียนต่อหรอ c'est ça t'as y comprendsC'est dur, moi, je trouve. Mais... Ah, c'est ça. Et ouais, en fait, ça, on l'avait pas vu. Donc, du coup, on savait pas pourquoi il disait ça. Maintenant, on sait. Et c'est pour ça qu'il avait la tête ailleurs le matin quand il a rencontré Tim et qu'il a fait tomber ses choses. Voilà, dans ses bras.C'est ça? Tout simplement. Ah, c'est dur. Moi, en fait, je me dis, je ne sais pas si j'aurai la force de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire de renoncer à quelqu'un, de dire non, je t'aime pas, tout ça et tout. Mentir pour que la personne puisse faire son tour. C'est dur. C'est super dur. Moi, je pense que je pourrais pas. J'arriverai pas.C'est trop dur. Et oui, c'est là qu'il comprend. Et du coup, il va prendre la décision lui-même. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que mec choisisse ses études plutôt que lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il lui a dit, eh ben, finalement, c'est pas possible. Il aime pas. C'est dur. C'est très dur.Je sais pas combien de temps ces études, parce que si c'est pas très long, ils peuvent rester quand même ensemble, vous voyez, et se retrouver après, et puis faire des visios, des choses comme ça. Même si la distance c'est dur, hein. Moi, 15 jours là, sans mon copain, c'était dur, hein. On va dire la vérité, ouais. Oh. Tout ça pour toi, c'est ça. Quand tu n'en as pas parlé.Ah, il y avait un petit peu de vrai alors dans son rêve. Parce que le mec a rêvé que Kim était au-dessus de lui. C'est un peu ça. Ouais, pas vous inquiétez. C'est beau, mais c'est dur, hein?Moi, je trouve que c'est un peu dur quand même, hein. Mais c'est beau. Pas sûr. Mais c'est dur, hein. Kim, la prime, là, ça. Je t'aime, mec. Oh. Ben oui, il aime. Et c'est parce qu'il aime qu'il le laisse poursuivre ses rêves, je pense aussi. Et ouais. Il doit se dire, je peux pas le... Je peux pas le forcer à rester ici avec moi. Mais c'est dur. C'est un peu comme dans Sotus. C'est pareil aussi. Avec Artit et... Et j'en rappelle plus. Pareil, il y avait ça aussi. Oh, regardez comme c'est dur.Pas dû dire comme ça, moi je pense. Il aurait dû dire, écoute, je sais pour ton école, pour tes études, nous on va rester ensemble, tu vas faire tes études et on se retrouve. Voilà. C'est dur. เป็นยังไงบ้างวันนี้ทำงานวันแรก
คิมทำงานตำแหน่งอะไรบริษัทไหนล่ะลูกพี่รู้จักคนชื่อเมกาไหมอ่ะเขาเป็นศิลปินจากสวนแต่ไม่เคยมีใครเห็นหน้าเขามาก่อนนะIl a changé. Ah, je crois qu'il y a un bond dans le temps. Je pense un peu à la Bad Buddy, vous savez, à la fin de Bad Buddy, c'était ça. On avait un bond dans le temps et on les retrouve plus tard. Je pense que c'est un peu pareil là, le prochain épisode. Oh là là, mon Dieu. Oh, ils vont se retrouver. Donc ça, déjà, c'est bien. Voilà. Après, c'est vrai que c'est beau ce qu'il fait Kim. C'est clair. Parce qu'il se dit, je vais pas le garder pour moi, alors qu'il a ses rêves. Et les rêves, c'est super important, les études, tout ça et tout. Donc je pense que le mec va partir. Et oui, donc ça va être dur. Et qu'ils vont quand même, peut-être, je sais pas, peut-être rester en contact, on va voir. Mais en tout cas, ils vont se retrouver. Et ça, c'est trop bien. Ça, je suis trop content. Et voilà, donc j'ai hâte de voir l'épisode suivant, l'épisode 11, qui est déjà sorti. Hein. Moi, je l'ai pas vu. Mais voilà, donc il est déjà sorti. Je suis très content de vous retrouver à travers les vidéos réactions. Vous le savez, hein, c'est un truc que j'adore. Et du coup, voilà, mais j'avais besoin vraiment de pause et de faire un break, voilà, de ce côté-là. Mais on se retrouve, voilà. Voilà, on se retrouve un petit peu, voilà, par-ci, par-là. Et puis voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Je compte sur vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Bisous.